correctement. Mais il y en a dans le monde qui vivent pas comme nous et c'est pas normal. Un appel pour les enfants, lancé par des enfants. Beaucoup de mobilisation aujourd'hui pour la journée internationale des droits de l'enfant. Ici à Nice, on a inauguré une sculpture colorée pour que personne n'oublie que les plus jeunes ont aussi des droits. Droit à notre religion. Le droit de ne pas faire la guerre ceux qui sont moins de 15 ans. La liberté, vivre avec ses parents, manger, apprendre à lire et à écrire. Aurélie n'a pas attendu pour se mobiliser en faveur des enfants les plus démunis. À 14 ans, cette collégienne est ambassadrice pour Action contre la faim. Elle revient juste d'un voyage au Mali avec des photos pour témoigner de la misère sur place. Là, on voit une maman qui tient son bébé dans les bras avec le périmètre, donc avec un médecin qui mesure le périmètre brachial aussi et une sonde gastrique parce qu'il rejette le lait. Là-bas, les ravages du paludisme ou de la malnutrition tuent de nombreux enfants. Aurélie garde quelques douloureux souvenirs de ce voyage, une expérience extraordinaire. J'ai un bon souvenir de la solidarité entre tous les gens, parce que dans leur pauvreté, ils étaient tous à se serrer les coudes et ils étaient très accueillants quand on est arrivé. Après ses études, Aurélie sait déjà qu'elle retournera au Mali pour y aider les habitants pendant 2 ou 3 ans.